racks, I count 6 shots. Bustin' out the bando, a nigga jury real metal like a pando. I went from rag to riches to a future with tilt. Yo tout le monde, c'est Mister Spasti, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne ainsi que celle de la Onyx Clan. D'ailleurs je remercie Roro de m'avoir recruté dans cette magnifique team, ça fait toujours plaisir. Bon on va pas plus s'attarder sur ça et on va plutôt parler du mode zombie de Call of Duty Infinite Warfare. Puisqu'un journaliste qui a été invité au studio d'Infinity Ward pour tester ou plutôt pour voir les images, les premières images du jeu, a dévoilé quelques informations très intéressantes et qui ont l'air vraiment sensées et logiques. On va commencer par présenter la carte sur laquelle il se trouvait. Eh bien, c'est tout simplement un navire congelé dans l'Union soviétique. Le journaliste affirme que la map ressemble à ce base de Modern Warfare 2. Il dit aussi qu'en fond, en arrière-plan de la carte, on peut voir cette fameuse map, ce base. En ce qui concerne les personnages, eh bien, on pourra incarner 4 personnages, dont le fameux capitaine Macmillan, le capitaine Price, Soap, McTavish et Gaz. Comme vous l'aurez remarqué, eh bien c'est les personnages de la série Modern Warfare. Je pense que vous les connaissez tous, surtout le mythique Captain Price qu'on pourra revoir, je vous le rappelle, sur Modern Warfare remasterisé sur nos consoles next-gen. Selon les développeurs, ils voulaient rendre hommage aux fans de la série, Modern Warfare, cette magnifique série. Je pense que surtout les deux premiers épisodes ont été aimés par plusieurs personnes. Le journaliste affirme dans son compte rendu sur le gameplay qui se passait Boots Underground, c'est-à-dire sans jetpack ni exosquelette, et il dit que les zombies se trouvent être des soldats soviétiques. Alors en ce qui concerne le gameplay, ça respectera à peu près celui de Black Ops 3 avec quelques différences. Il n'y aura plus d'armes au mur mais plutôt des armes éparpillées sur la map qu'on pourra acheter avec des points en cliquant sur la touche d'action, un peu comme sur Ghost dans le mode extinction avec les extraterrestres si je ne me trompe pas. Donc voilà, maintenant il a dit qu'il y aura toujours le même système d'atouts mais un peu modifié. Le mastodonte deviendra body armor, double coup deviendra rapid fire, tour de passe-passe se transformera en fast mag et quick revive sera présenté sous le nom de medpack. Et finalement, petite note à ajouter, c'est que l'ambiance du jeu sera plus réaliste et apocalyptique, ce qui fait penser à DayZ, le jeu DayZ, selon le journaliste. Mais cependant, le côté arcade de Black Ops 3 se ressent toujours, ce qui va selon lui plaire aux fans du mode zombie de Call of Duty Black Ops 3. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur ce zombie. Je vous mets en description le lien de l'article au cas où vous souhaiterez relire toutes les informations, tout simplement. Je pense vous avoir tout dit, à part que peut-être je vais essayer d'envoyer cette vidéo à quelques chaînes communautaires telles que Code QG et CodeFR. D'ailleurs, je les remercie d'avance s'ils acceptent d'upload cette vidéo. En ce qui concerne les abonnés de la Onyx qui ne me connaîtraient pas, eh bien, je suis tout nouveau dans la team. Vous aurez ma chaîne en description si vous voulez voir mes autres vidéos. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi, posez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse, c'était Mister Spasti. Allez, peace tout le monde.